The next generation of Wi-Fi technology is here, and it's only from Xfinity. Supercharge your home with supersonic Wi-Fi. It's ultra-fast and incredibly powerful with the ability to connect hundreds of devices at once. Go to xfinity.com/supersonic to learn more. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed. C'est ça la France! RMC, les grandes gueules. Fred Hermel. Monsieur Fred, bonjour. Bonjour la République, bonjour la France. Eh ouais, les supporters de foot de notre pays s'inquiètent du rachat de plusieurs clubs, en plus des clubs qui ont un nom, à des fonds d'investissement étrangers. On apprenait hier que Angers allait être vendu dans les prochaines heures. Angers, 14e de la Ligue 1. Mais c'est surtout le cas du Red Star qui fait beaucoup parler et qui fait polémique. Parce que la vente de ce club historique, né en 1897 et basé à Saint-Ouen, c'est la région parisienne, pour ceux qui ne connaissent pas, a même pris une dimension politique, parce que vous avez eu une tribune dans Le Monde signée par de grands supporters de foot. J'ai nommé Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et même Éric Piolle, qui en question de maillot s'y connaît. Mais Éric Piolle, il a bien habillé les gens. Il a bien habillé les gens et les déshabillé. Le maire Europe Écologie des Verts de Grenoble. Alors tous ces gens-là, comme les ultras du Red Star, s'opposent au rachat par la société 777 Partners. C'est un fonds d'investissement américain. Et ils disent, pour nous, le Red Star est un bien commun qui ne peut être sacrifié sur l'autel du profit. Il faudrait nationaliser le Red Star. Ben oui, non, mais surtout, eh bien, le club qui est en national, c'est-à-dire 3e division, a été vendu. Et contrairement à ce qu'affirment ceux qui se présentent comme des puristes, sans connaître la réalité économique du football français, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Car la société d'investissement va mettre beaucoup d'argent et développer le club avec un objectif premier, c'est-à-dire d'essayer de monter en 2e division. Oui, des fonds comme celui-ci veulent la rentabilité à moyen terme. Et je ne vois pas en quoi ce serait une mauvais pour le Red Star d'avoir des comptes équilibrés, tout comme pour Angers qui est économiquement aujourd'hui déficitaire. Alors il existe une peur que l'âme, les valeurs des clubs disparaissent parce qu'il y a des Américains qui rachètent. Enfin, les mecs ils sont pas bêtes. Je veux dire, l'actif, les clients de ces clubs, si on parle en termes financiers, oui. Ce sont les supporters. Donc vous n'avez pas à faire défigurer le club qui a des supporters, qui sont ceux qui achètent les billets, les produits dérivés. Vous savez, moi, mon club de cœur, c'est le RC Lens. Moi, j'adore mon club, il a failli disparaître. À un moment, on a fait descendre en national et on a pu disparaître. Il y a un type très riche, il s'appelle Joseph Oubourlian, qui lui dirige à Londres un fonds d'investissement très important qui s'appelle Amber Capital. Et de sa poche personnelle, il a mis 70 millions dans mon club. Et vous savez ce qu'il a fait? Il me l'a expliqué. Il dit voilà, il a développé tout le côté business, les loges VIP, les petits fours, etc. Parce qu'avec ça, il finance les places à 5 ou 10 euros pour les plus modestes en tribune latérale à Lens. Parce qu'en plus, à Lens, vous savez, les places les plus chères, elles sont réservées aux supporters debout. Voilà, c'est pour dire. Donc, de l'argent pour permettre encore le football populaire. D'ailleurs, il n'y a rien de mal. La Ligue de football professionnel vient de passer un accord avec CVC, un fonds d'investissement, pour ramener un peu de fric au football français qui va très mal. Donc, certes, il faut être vigilant à qui on vend nos clubs, mais laisser des investisseurs étrangers apporter des fonds qui vont permettre la survie et le développement des clubs de chez nous, eh bien, voyez-vous, c'est ça la France. Et Elina Dumont, pour ceux qui sont devant RMC voilà. Story, tu as mis le maillot du Red Star, voilà, les couleurs vertes et blanches. Ça te va très bien. Ah, merci beaucoup. Alors, j'explique pourquoi. Avec l'étoile parce rouge. Que, dans le cadre de mes activités auprès des sans-abri, j'interviens auprès d'une association qui s'appelle Entourage et nous travaillons sur un programme qui s'appelle Link Out, qui est porté par le Red Star. Et le Red Star, c'est la seule équipe où sur un maillot, il y a une association. Il travaille beaucoup avec sur la précarité. Alors je sais que on en avait parlé une fois, Mourad, et tu m'avais dit que c'est un peu leur truc de, enfin c'est leur truc. Oui, c'est l'ADN du Red Star. C'est l'ADN du Red Star. Mais qu'est-ce qui te dit que les nouveaux propriétaires ne vont pas poursuivre cette aventure avec vous ? Moi je les connais parce que ça fait un petit bout de temps. Ils vont continuer. C'est dans leur ADN. Eh ben et voilà. Moi, je préfère qu'ils soient achetés. Subventionné par les États-Unis que par le Qatar, hein, je te le dis honnêtement. Oui. Plus bien que quand. Mais non, mais c'est vrai. Hein. Oui. Ça ne te pose pas de problème qu'ils soient rachetés. Pas du tout. En 2012, quand Nicolas Sarkozy allait au Paris Saint-Germain, François Hollande allait au Red Star, dans la symbolique, ça vous. Oui, après. Et puis dans la tribune de Mélenchon, etc. C'est parce que c'est une étoile rouge. Oui. Voilà, c'est un côté. Je pensais que c'était une marque de bière. Ça permet d'avoir des nouvelles de Benoît Hamon. Moi, je crois qu'il était retiré de la vie politique.
Il continue non, pas du football. Normalement, il est un véritable amateur de sport. Ça, on peut pas lui reprocher. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est que les mêmes se plaignent du niveau du championnat. C'est vrai qu'il est pas très très haut notre niveau par rapport, enfin, le championnat par rapport au championnat espagnol, anglais, etc. Là, on a des gens qui sont prêts à investir. Donc, je comprends pas bien. À part peut-être y voir du racisme. Mais c'est anti-argent. Anti-argent. Puis tiens. Anti-américanisme primaire, oui, parce que si c'était la Russie qui avait investi, tout le monde aurait trouvé ça très bien, hein, avec l'étoile rouge. Non, non, mais il y a un côté idéologique et surtout une méconnaissance de la réalité économique du football français. Ça va très mal. Ben oui, ça va mal. Les clubs français, beaucoup de clubs français risquent de disparaître. Exactement. Depuis la pandémie, parce que nous sommes pas un pays de foot. Les gens ne vont pas assez au foot. Qui pisse, là, Bordeaux, quand même. Les droits télé aussi, les droits télé ont été réduits aussi. Média pro, oui. Mais surtout, je pense, moi, totalement pour la venue d'investisseurs étrangers, ça me pose aucun problème. À partir du moment où ça crée de la richesse collective, c'est pas toujours le cas. Paris Saint-Germain, c'est pas un investisseur, c'est un État, mais je dois reconnaître qu'ils ont quand même créé de la richesse collective. Ils remplissent les stades là où ils se déplacent, donc ça fait du bien à la Ligue 1. Moi, j'ai l'impression, mais c'est qu'un sentiment, que beaucoup d'investisseurs viennent pas acheter un club, ils viennent acheter un centre de formation. Et qu'on est dans le fantasme du trading des joueurs, c'est un peu le décret Mbappé qui a été vendu 200 millions de Monaco au Paris Saint-Germain, où on se dit, l'argent des clubs se trouve dans les centres de formation, parce qu'il y a un tel marché. Tu veux dire la valeur des clubs? La valeur des clubs. Oui, aussi, pourquoi pas? Parce qu'il y a un tel marché, c'est du trading. Ils viennent faire du trading avec le centre de formation, et le club est un accessoire. C'est mon sentiment, c'est pas une vérité. Pas tous. Nous sommes avec Patrice Haddad, qui est le propriétaire et président, qui vient de vendre le Red Star à un fonds américain, 777. Bonjour, monsieur Haddad. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Haddad. Vous avez fait du pognon en vendant l'âme d'un club, alors, Patrice Haddad? Vous voyez comment les choses se résument après 15 ans de travail. C'est pas bien, ça. Hein. Ben, je crois pas, parce que l'idée, c'est de... On est en troisième division. Ouais, la marque Red Star est une marque, effectivement, qui a eu son importance sur son territoire pendant de nombreuses années, 125 ans. Je disais même une phrase de Jules Rimet en 1910 qui disait qu'il fallait qu'il passe la main parce qu'il n'avait plus les moyens. Ça, c'était en 1910. Donc je ne sais pas le progrès qu'on a fait depuis, mais il faut quand même essayer de prendre conscience de cette économie et de la nécessité d'accompagner un projet avec des moyens. On ne peut pas faire ça autrement et au coin d'une table. Donc je ne comprends pas la réaction aujourd'hui, alors que nous sommes en troisième division, de pouvoir attirer des investisseurs qui ont quand même identifié des projets de Ligue 1, des projets de Ligue 2, et que nous sommes en national. Ils ont tout à fait compris l'essence même et la singularité de ce club, son territoire, pour y venir, mais pas pour dénaturer un projet, pour lui rendre encore plus singulier qu'il ne l'est. Donc ça veut dire que derrière, il y a un véritable projet, peut-être de rénovation d'un stade, de création d'un vrai centre de formation, de développement, quoi, en fait. Il y a déjà un projet de stade qui va être accompagné. Pour les riverains, pour la jeunesse, pour tout un club. Alors, Patrice Haddad, c'est ce que vous nous dites. Ah, mais moi, c'est fondamental. Le territoire est fondamental dans le projet du Red Star. Oui, nous sommes dans une terre extraordinaire de football. Et c'est bien ce qu'ils ont identifié, qu'il y avait une pépinière, de formation chez vous. Voilà, c'est clair. Oui, et qu'on se fait piller depuis 20 ans. Oui, c'est un vrai territoire de formation. Donc il faut la protéger, cette jeunesse. Il faut lui donner. Je disais, c'est qu'ils ont, acheté. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont plus acheté cette pépinière que le club. Oui, mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire nous-mêmes? Oui, c'est. Enfin, je veux dire, pourquoi il n'y a pas des grandes fortunes françaises qui se disent, alors il y en a quelques-unes. François Pinault à Rennes, effectivement. Et Joseph Hougourlian a lancé les deux seuls. Monsieur Haddad, allez-y. On a ouvert, nous, le débat de la vente en septembre, où il y a eu plusieurs opportunités, pas un seul français. Pourquoi? On a eu deux Européens et deux Américains. Mais pourquoi? Parce que je pense que l'image du football, ce qui est en train d'être modifié, je pense que Vincent Labrune fait un travail de fond extraordinaire. Le président de la Ligue, Vincent Labrune, on va préciser. Ouais. Un travail de fond sur la visibilité de ce secteur qui est sous-estimé par rapport au championnat et à la qualité, à la valeur du football français. On est un peu les parents pauvres de l'Europe aujourd'hui en termes de football, alors qu'on a la meilleure formation du monde. On est pris en exemple partout, mais on est un pays de traders plutôt que des clubs qui conservent leurs propres joueurs et leurs propres richesses et leurs propres qualités. Mmh. Je pense que ça doit changer. Les auteurs de ces tribunes se trompent de combat. Bien sûr. Mais je pense, et vous savez, la peur du changement. Voilà, mais quand je suis arrivé. Il y a les États-Unis aussi. Voilà, bon. En même temps, les Américains, je ne pense pas que ce soit par hasard.
qu'ils investissent en masse sur le marché français. Oui. Bon, je ne suis pas le seul. Alors après, il y a des échecs, il y a des réussites. Mais ça, c'est propre à n'importe quel investisseur ou nature de l'investissement. Moi, j'ai rencontré des gens, donc c'était quand même à travers... ça s'est pas fait au coin d'une table non plus, ça a été plusieurs investisseurs. Il y a eu un choix qui a été fait sur la nature même du développement de ce projet. Donc, effectivement, les craintes qu'il y a aujourd'hui sont des craintes de protection d'un petit peuple qui doit rester en national et qui n'a pas de vision du développement. Oui, mais alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on préfère avoir un petit club populaire qui reste ancré à Saint-Ouen avec sa buvette plutôt que d'avoir des Américains qui viennent le développer et qui en fassent quelque chose de fort. C'est très français aussi. C'est un protectionnisme très français. Et en plus, par rapport aux joueurs, Patrice Haddad a souligné la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un très bon joueur, un jeune au Red Star... Aujourd'hui, en gros, les clubs se financent, français en général, ils produisent des joueurs et ils les vendent à des clubs étrangers. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de les retenir en France. Donc, le développement des clubs français, ça va nous permettre aussi retenir nos meilleurs talents. Oui, mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que le Red Star, au contraire, aux mains des Américains, ne va pas faire en se disant, banlieue parisienne, il y a un vrai vivier de talents et on va investir sur des jeunes qu'on va revendre ensuite, on va faire du pognon sur les joueurs. Triple 7 Partners, cette Partners ont investi dans Séville, par exemple, qui est un grand club espagnol de première division, qui joue la Ligue des Champions, c'est pas rien. Ils ont investi dans le Genoa. Enfin, il y a beaucoup de projets comme ça. C'est pas quelqu'un qui vient comme ça faire n'importe quoi, qui vient faire une aventure. Il a montré des garanties déjà. Et ces clubs se développent grâce à cet argent. Non, mais tu vois, qu'il n'y a pas l'illusion pour bon nombre de gamins qui jouent au foot en banlieue parisienne de se dire les Américains sont arrivés, ils ont racheté le Red Star et que les familles se disent on a le futur Mbappé, il faut absolument qu'il aille dans le centre de formation du Red Star. Ils se disent déjà. Et derrière, à 18 ans, mon fils va signer un contrat avec 777, les Américains, quoi. Tu vois, qui est une espèce de miroir aux alouettes avec des dollars. Mais ça existe déjà, du côté de la porte de Saint-Ouen. Je voulais quand même rajouter quelque chose parce que hier, Merci, monsieur Haddad. Au revoir, monsieur Haddad. En fait, hier, je me suis permis d'appeler quelques supporters puisque régulièrement, j'y vais. Et tu vas au Red Star, tu fais la pom-pom girl au Red Star. Je fais ce que je peux, j'emmène des enfants des fois. Enfin, c'est bien. Ouais. Mais en fait, il y a des supporters hier qui m'ont dit au téléphone, parce qu'ils partent du principe que le Red Star, c'est pas une école de foot, c'est une école de la citoyenneté. Mmh. Et qu'ils ont peur de perdre ses valeurs sociales. Il y en a quand même deux qui m'ont dit ça. Moi, j'ai pas peur. Honnêtement, je vois pas du tout ça. Les supporters du Red Star. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Mais supporters du Red Star, ils seront pas mécontents de monter en Ligue 2. Ah, bah oui. Kevin, au-delà de l'aspect sportif, c'est toujours la méfiance chez certains dès qu'il y a de l'argent. En fait, en jeu, et en plus de l'argent qui vient de l'étranger, comme si c'était forcément un argent sale. C'est un peu ce que disent les méchants auteurs de cette tribune. Il y a derrière ça la haine de l'argent, mais en fait, je vois pas le problème. Je suis plutôt patriote, mais le fait qu'il y ait des gens de l'étranger qui rachètent des clubs de football français pour les faire fonctionner, mais tant mieux, je veux dire, puisqu'il n'y a pas de fortune française pour le faire. Donc, moi, je suis d'accord avec Fred, je ne vois aucun problème là-dedans. Mais quand un fonds américain investit dans le développement d'une entreprise, je sais pas, de chimie ou pas, on est content? De pouvoir créer des usines en France ou des centres de recherche, etc. Donc, non, il y a un fantasme derrière le côté, le foot, le petit truc populaire, etc. Le patrimoine. Ouais, mais sauf que le patrimoine, il est en train de mourir. Donc, faut le sauver d'une manière ou d'une autre. Merci à Patrice Haddad, le patron du Red Star. Merci pour cette conversation. Merci, les amis. Mon cher. Et vive le Red Star. The next generation of Wi-Fi technology is here. And it's only from Xfinity. Supercharge your home with supersonic Wi-Fi. Connect hundreds of devices at once and experience 3 times the bandwidth for more reliable connections with advanced security that blocks billions of threats at home and now on the go. It's game-changing, next-level Wi-Fi, only from Xfinity. Go to xfinity.com/supersonic to learn more. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed.